Revenir à des choses plus simples, une tendance qui se décline aussi en bouillotte. Oubliez l'eau bouillante, optez pour les noyaux de cerise. Cela donne donc des bouillottes sèches. Elles se chauffent au micro-ondes ou se rafraîchissent au congélateur. Une idée de cadeau made in Vosges. Norton, 33 ans, s'est lancé depuis peu dans la couture pour réaliser des bouillottes sèches en noyaux de cerise. Il travaille avec 250 références de tissus, des textiles, lin, kelch, jacquard, certifiés biologiques qui ne sont pas nocifs pour la santé. C'est le grammage qui est important pour nous. Il faut à peu près 200 de grammage pour pas que le tissu soit trop fin. Et ne soit pas trop fragile, ne s'abîme pas quand on le manipule et quand on le chauffe ou quand on le passe au congélateur. Donc on cherche vraiment sur ce grammage. Après, il y a le toucher aussi qui est important pour nous. Il ne faut pas que ce soit trop rêche. On aime bien les tissus plutôt avec des matières douces. C'est aussi plus confortable. Celle qui a véritablement créé l'activité, c'est Marilène, il y a 20 ans, en micro-entreprise et à destination des fêtes de fin d'année. Un savoir-faire ancien, réactualisé et transmis récemment à son gendre. Voilà. Je remplis quoi ? La grande ou les petites ? Les petites, les trois petites. Les noyaux de cerise que l'on met dans nos bouillottes ne sont pas traités, ça nous paraissait pour nous primordial. Nous les achetons en sortie de conserverie, avec ce critère-là, sans produits chimiques, sans solvants. Et donc on les utilise pour leur qualité réfractaire. On a essayé avec des noyaux de Mirabelle ou des noyaux de Quetch, ben ça marche pas. Des noyaux pour des bouillottes à tous les formats et la dernière en date à des fins thérapeutiques, développées en famille et par une équipe de kinés, chaudes pour des douleurs musculaires et articulaires, froides en anti-inflammatoires. Sur les deux trapèzes, c'est une bouillotte qui a vraiment les bienfaits du chaud et du froid classique. Son intérêt, je pense, moi, c'est en tout cas au niveau des billes et des noyaux de cerise, cette acupression qui peut être faite directement sur les muscles. Et cette sécurité où il y a vraiment une chaleur douce, on ne va pas se brûler, s'ébouillanter avec de l'eau. Et à l'inverse, on ne va pas se brûler avec le froid. J'ai repris un peu mes pochoirs. Marilène propose encore dessins et motifs originaux, tandis que Norton développe la marque Tous Azimuts, notamment sur les réseaux sociaux. Leurs bouillottes déclinées pour tous les âges sont vendues sur les salons et marchés artisanaux et en hôtellerie de luxe.